Your Honor, Your Honor, Pak Tua Tatu Itfari Rira Itege Neibugui Api, Aruru Maitei no Te Pahunur Aite Titaur Aia Farere Tatu Itege Neibugui, no Te Ieruru Ahurut A E Tatatu. Aruru Atu Atmo Manihini o Te Titauhia, e o Te Amui Mai, no Te Whaaror Aia I Tatatu Mo Orerora. E manaot a e to ou I tō tātou tomitera teitei. Te mea ua titau manihini at ohia oia ia haere mei. I ruto rai tō erata tānai whaatai mei. Te manao nei oia, I te mea tiroto te whenua frani I te tau maitira no te maut ofa. Ai tō oia nen he amui mei. Whātura tātou I tōna manao. Whātai atu nei rā tātou I te tāpō anu tō tātou arofa, I te tiao tau frāni, I mā ohi nui nei. Te ani nei au, I tō tātou papa e praur hei, I a tei omai I tā tātou rata titaura. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 8 septembre 2011. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session budgétaire le jeudi 15 septembre 2011 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Jacques Hydrolet. Maruru maitei, te aninea I tō tātou papai praurhei, ia tei omei te ua o te maukia o te tamai. Madame Algon-Aima, absent. Monsieur Alpha Teari, présent. Madame Big Sabrina, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, présent. Monsieur Buissou, Jean-Christophe, absent. Madame Brodien-Rosine, présent. Madame Chavez-Daphné, présent. Madame Cross-Valentina, présent. Monsieur Jacques Hydrolet, présent. Monsieur Floss-Gaston, absent. Madame Fribourg-Joël, absent. Monsieur Fritz-Edouard, absent. Madame Galland-Minari, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Irshon Nounoutea, présente. Madame Irti Teura, absente. Madame Isal Hifara, absente. Madame Jennings Setone Patricia, présente. Monsieur Cocteau Benoît, présent. Monsieur Komoutini René, absent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Monsieur Mamato Ndoutapo Victor, présent. Madame Marie-Thera Guililian, absente. Madame Anotelevi Agami Sandra, présente. Madame Maria Emma, présente. Monsieur Maraoura Teina, présent. Madame Matawa Leoni, présent. Monsieur Matawa Mayron, présent. Madame Mati Juliana, présent. Madame Merceron Armel, absente. Madame Olivier Maris, présent. Madame Opa Afouanik, présent. Madame Parker Eleanor, absente. Monsieur Pauliette Kinoui, absent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Rivetta Frédéric, présent. Monsieur Romataro Fernand, absent. Madame Sage Maina, absent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Tama Françoise, absent. Madame Pani Thérèse, présent. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Tiontouroro, présent. Monsieur Tifarere Hirohiti, absent. Monsieur Temeharo René, absent. Monsieur Teremate Riven, présent. Monsieur Peripayamita, présent. Madame Teruatea Sylviane, présent. Madame Tetonu Ilana, présent. Madame Teura Justine, présent. Monsieur Tonson Gaston, présent. Monsieur Toro Ismaël, présent. Madame Tichobillard Catherine, présent. Monsieur Outia Damas, présent. Madame Vernaudan Béatrice, absent. Monsieur Clarence Vernaudan, absent. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur Teiki est arrivé entre-temps. Monsieur Komoutini, Madame Eriti Teura, Monsieur Edouard Fritsch, Madame Armel Merceron. En tout, ça fait Et
Alors, Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, discours du président de la Polynésie française. Point 4, habilitation du président de l'Assemblée de la Polynésie française à fixer la date des réunions de la session budgétaire. Point 5, examen de la correspondance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Maruru maitei, te anineiau i te momero aporarhei. E whaari i te ienei i tapura hupana tatu i te emhana. Whea e whaari i a whaitirima inia. Te tātuara, maruru, o whaari i te tātuara. Te hamatara i a tatu i tatatu hupa e iau i te irawa numara maha o tatatu ture roto. E hamata te ienei rurura ana tatu. Nā roto i te ho e ore rora a te peretitini o te whare aporarhei. E ioti te ienei ore rora a, e tītau manihini nei au i te peretitini no tō tātou whenua o Maohinui. Ia ore rome oia i tāna ore rora. No rira i te eteme, te ore rora nei au i tāu ore rora. Kia ora e buisu tāne. O e i te hop e mai. E o e trai whahanahana ara i tātou rurura me i te tātou ara o tomo mero tātou whare aporar hei. Kia ora na whahoa te priti tini o maohi nui. Kia ora na e whaterehau hine. Kia ora na e tmo whaterehau. Kia ora na tmo kia i maitihia e te nuna. Kia ora na te maumanihini o te amui mei te ienei mhana. Kia ora na toa to umo hoa o te papa iwea. Kia ora na te maupapa iwea. I hae whiu i te poro i te parautia. I hae oto e poro i te oto mana. E poro oto i te parautia. E tāpura ohi par hei te ierutu i tō tō rima. Vahe nua tā mātou e ani nei, ia poro o tō i te parau tā o tō e whāra ora. I oti, ia whāhua o mai o tō i te parau, ohi pa o tō te rira. E parau rai te parau, e parau hiāra. Te vahe o tā ue mana o nei, e poro i atu i tō umo tā e no te mou, no te papa ipea. Tēnei pēpēi, o te ho e ruru a ta e te ie, no te hamatar a ia i te tua tapapa i te parau, no te tapura hupa o tō tātou whenua. No te tapura tere a fofo o tō tātou whenua. E iau i te whanhora a te ture, e toru awa te i wehiohia mai rutu i tō tātou rima, no te whaoti hoperoa i tā tātou o hupa. E te mea te hamatara tātou i te emhana, e moti te ienei rurura ana tātou i te ahuru e mātoru no titema. E no tātou, te mō mero te whare aporar hei, wa whenuriri i mātou te mō preti tēni pupu, na whea tātou i te rawe i tā tātou o hupa, e mea na whea tātou mō tōmi te roto e rawe ato i tā rātou o hupa. E wā whanhohia te tei whanhora a, i oti te ienei awa e te tepa, e putuputu tātou i te mōpiti hepeto mātou. Vehiohia i a roto i te area o nā hepeto mātou opiti, te teitei me roto i te mōtomite, no te aputuputu e no te whaoti te prau. E ienei tapura tere rafofa ana tātou, e ere te ienei tapura i tō e tumu prau, me tsurura e, aita tōnei fofa. E taamur a tō te ienei tapura fofa a, inia i tūru o te orara a, o te nūna o tātātou hina arora. E ia i tūru o te mau maiti rā tātātou e maiti me tēnei e tēutu i te ahuru e maturu no titema. Tūru o tātātou maiti rā, e tuati o ia i tūru o te orara a tu nūna e veirei muri. No rira, te mau hoa, ianine iau i a tātou, e ārā maitei, a wheruri maitei, a whanho maitei,
te mau fan hor a eo yarawehia no te mait eo te orar a oto tato nuna. To ia man o matam. Te piti o te man o, te tomo nei tato ero tui te tei tau o e. No atua te piti ira o matar in ia, i te pēra o te orar a fufa o tō tātou whenua, te tomo nei tātou i rutui tō e tau o e. Te ora a, i orana tātou i te ohune, ahune o te moni a te seope. E mei te teme a whaotihi ae, e whaatupu i te mō tamatamatara ato me i o tātou, e moti i te ienei matheiti ho e tawatini eiwa hanere, eiwa ahuru e maono, Kwa ora anu ana tatu, ini ei tau wafufaaru. E ina i te iemhana, te tau ina i te awaia, te whaha ina i te wherurira ini ei tō tatu puai, e te hotu o tō tatu whenua. Nori rā, te wahe tate man o e in aro nei e hapapu ia tatu, e tomo tatu roto i te tau o te taranira. Taranir a i te pē o te mau tumu prau atoa e tano i e whaotihia e roto i te ene whare aporar hei. E ihara e roto no i te whare aporar hei, roto i te tātou ar Aotearoa a o tō tātou whenu. E mei te pēwe, te whaheti e roi te prau no tātou i o nei, te hinaro nei iau e hapapu atoa i te teiman o e, tātou i roto i te whare aporar hei, e nā tātā hanere e toru ohuru e ti ahapa, e rawe nei i te tun a, te ie e amo nei i tā rātou tuho a. Te ie e tauturu nei i a tātou, i roto i tō tātou rā rāo tumo mhānato. Nō rira, e tāua parau tātou, e whaoti tātou i te parau, nō tātou, e nō te ie nei mō tā a e wei nei i roto i a te tun a. I te pēn no te ahupa, wā manaori i au, e tamatei te pūpū te reheira o te mō manao, e te reheira o te mō mohia, e rutu i oto, i anenhe tā tātou ahupa, i a tupu maitei. E mō whāro oto i te i e omuara a hepetoma, wā avari hanahana hia, te i e nei pia api nā tātou, no te rurura a te mō tomite. E teim erihi a te oa John French a Teariki. Wa taimei te whetii, wa marurut mo whetii, wa taimei te teimo hoa, e i te emhana, te roto i tō tātou rima. Ianehenhe tātou e rawe apipiti i tā tātou ohupa. Ianehenhe tātou e rawe i te ohupa, e te whea e rawe i te ohupa i te tun a, no te meit e o tō tātou nuna. Te vaituara rā te teitua o tā ue mana o nei no tātou, i roto i te ienei whare aporar hei, i te whanana te at or ai ai tātou mou tamari, mou te mou whare hapida. Ia nenhet o rātou e hamatau i a rātou i te ohupa e tupu nei, i roto i te ienei whare aporar hei. No te mea, e riro rātou e whei ap ari anan hei, e riro rātou i te tiamei e whātere no tō tātou whenua, e mea tano, ia naroto atu tātou i te ienei mou whare reir a e te mou tamari, i te hapira ai a rātou, i te parau, no te whaterera o te whenua. E ue te atua o tō e tomo hoa, tō uhin aro, i te tūr ai ai te parau o tō tātou reo, te reo maohi. E nā reo o nā tua e pā e ono, e wei nei, e roto i tō tātou whenua, i atu uhia whanhora o te emo reo, i muaro. E ere te ienei orerora a nā roto i te reo teiti, i te teir awea, no te awhiwhir aia, i te mōt ate o re re papu i te parau no te reo whrāni. Man o tō rātou i te parau nā roto i te reo whrāni, a parau mai nā roto i te reo whrāni. E man o tō rātou i te parau nā roto i tō tātou reo, whaitu i tō mai i te amo i tō tātou reo. E ahupa api te ie tupu nei te iemhana. E ere te me ohia i arawe. Te ene e hupa api, e mei te peu e te hin arora o tō e hi opoa, e hi oro atu, inia i tā tātou awhata niuniu nā te rewa. Te e peu peu, te huri atu ohi ara te parau teiti, nā roto i te reo whrāna.
Et Ananhei, il y a propre maï. Orone, Naruto et Rion Uiva, et Imiat Ohietra, et Tihurit Aitavo Pro. Il y a propre maï, Totato Tavana Nurikitea, et Tonaman Om, Naruto Maitereo Mareva, et Huriat Ohiaterida Naruto et Rio Fran. Et Imir Aya, et Faiter Ayatato Patoa, et Reo Totatu, et Nun Atatu, et Fenuat Ototatu. Teva Hei Otawehin Aurora. E proa tui tatu, e ere no te tat ahir aiei te tea tu maureo. E auaha atihia nei tatu i te mau whenua e prau nei te reo pretane. Ahari ti roto tatu i te te apora me te rira turu, e proa tui oto e nice to meet you. Te harira ia tatu i mua, maruru dafne. E i roto i te rira, wherurira, noa atu, te mohoa, noa atu e hin aro tātou e ape i te rira prau. Te ora nei tātou, i roto i tō e moana, o tate tata e praprau nei i te iene reo, te reo pretane. Paruru tātou i te reo frani, hapiat ora tātou i te prau i te reo pretane. Ia whare re tātou, ia nenhe tātou i a tau o prau. E riro tātou i te tuata papai te teiman o tāu e hin arora. E tua tui mua i tātou, no tātou, te momeror te tware apurare. E imi o i te rau ea, no te aper aia i te raman o tātou tawana i a Philip Schill, i te imir aia o i te rau ea, whawharere i a tātou i a taratone o wali se futuna. Mana o nei au tawana, e mana o meite e te i e tāu e i whaanha. Aitara i te jopea. E norira tōu mana i te teme, hare taratoni hare walis, hare at ora i te tea tumo whenua e veneiro tui te moana patifita. Hare tatu i te vanuatu, hare tatu i niue, hare tatu i tokelau, hare tatu i palau. No te mea te ora nei tatu, rotu i te moana patifita. Norira whari me oto, ia taitona teme, e tau aparau tātou, no te wha anor aia i te ienei wharere aroto i a tātou, e te ienei mou hau, te ienei mou whenua, te ienei mou nuna. Ha mana o meit ei, te mou hoa, e nun a maohi tātou. E te reheir au te mou whenua, e whenua maohi. E tā anō tātou, te kōkairangi, Tonga, Samoa, Niue, Tuvalu, e mautae an a te ie no tatu, e mautae maohi an a te ie no tatu. No rira, e tuhi atu te rira prau, i muai tatu. E to umana o hopea, nā roto i te reo teiti, no te mea e huri atu atu o i te e prau nā roto i te reo frana. To umana o hopea, no te amarurura i a buisu. To umana o hopea, e roto i te ie nei orero ra i ki tau. Ai tāne te tei mano, e whātupu te hin aroroto i a tātou, no atua te pēpurgita norira mai tātou. Ai tāne nehen he whaafarere i a tātou, no te whaitor ai ei te tei awe ana tātei tō e maoror e toru ohuru mateiti. Ai tāne tātou e nehen he e imi, te mautumuprau e whaafarere i a tātou. Te mautumuprau e whaataene i a tātou, e te mautumuprau, e nenhe e tau o prau, no te meit e o tō tātou whenua. I tirira teime, te maura ia, ta tātou maharora a prau ni e te ture awei a te wharehapira. E re ane, te maura ia i te teime tātou e praparau e maiti e, o maiti nā mero pēhuru e mahitu, i ni e te i nei ture awei a te wharehapira. Mei te pēu e o wharere tātou ni e te wharehapira. No te eha, ai ta tātou e nenhe wharere, in ei tō tātou rāra o tō mōmuhāna ato. Man ono te ihare ne, nā oto e wha i te mei, wā tae ane, au reira ai. Wau nei rā, wēni nei au, no te amoi te rira tāpura heko. No rira te ie teime, whari mei oto, e nā roto atu o i te reo a mōlia erma. E piti rā ia o tāu o re rōra. Paro mei te mei te rōro. Te rira. Te reo a drolema. A te marurura i oto i anari rahia? Nā rea,
Tereo Adrolema, Maruru. Monsieur le Président de Maohinui, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers auditeurs, téléspectateurs, Yoran, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du peuple. Vous êtes ici, chez vous. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de procéder ce matin à l'ouverture solennelle de la session budgétaire du 15 septembre 2011. L'examen du budget constitue un événement majeur dans la vie démocratique de nos institutions. Acte éminemment politique, mais également économique et juridique, le budget est la traduction financière de nos choix de société et de l'ensemble de nos politiques publiques, dont il nous faudra par ailleurs rationaliser les coûts et l'efficacité. Le plan de redressement des comptes de la Polynésie, adopté par notre Assemblée, est la traduction de cette volonté politique de réforme de notre administration et de nos établissements publics. Il s'agit d'une démarche certes difficile, mais nécessaire. À l'instar de nombreuses démocraties parlementaires dans le monde qui connaissent une crise économique sans précédent, l'adoption d'un budget implique des choix, des renoncements, des arbitrages parfois douloureux, mais surtout du courage et de l'intégrité. Je sais pouvoir compter sur vous. L'adoption du budget engage non seulement notre responsabilité d'élus, mais l'avenir de nos citoyens et de nos enfants. Nous ne devons pas nous tromper de chemin. La contrainte la plus grande, le défi le plus important qu'il nous faudra surmonter, tous ensemble, est celui de la réduction de notre dépendance. Dépendance économique, dépendance budgétaire voulue, orchestrée et savamment entretenue par l'économie de la bombe et ses transferts financiers. Ce constat de dépendance n'est pas une simple vue de l'esprit. Il est clairement partagé par la société civile de notre Fénoua, qui s'est exprimée à l'occasion des États généraux en 2009. En 2010, le rapport Bollier est venu confirmer l'impérieuse nécessité de réduire notre dépendance. Et l'inscription de notre Fénoua sur la liste des pays à décoloniser s'inscrit dans cette démarche légitime de réduction de notre dépendance. Cette situation, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, nous en sommes les héritiers. Mais il s'agit d'un héritage sous réserve de droits d'inventaire. Nous devons aujourd'hui gérer les conséquences économiques, sanitaires, sociales et culturelles des choix effectués par nos prédécesseurs. Je revendique ce droit d'inventaire et j'invite chacun d'entre vous, dans le secret de sa conscience, à en faire de même. J'ai souhaité placer le budget de l'Assemblée de la Polynésie sous le signe de la discipline budgétaire. Il s'agira en premier lieu de former les élus qui le souhaitent à la procédure parlementaire et aux principes budgétaires, et à l'occasion de l'examen du budget 2012 de notre Assemblée, j'inviterai les présidents de commissions législatives, j'inviterai les vice-présidents, le président de la commission permanente, le président de la CCPF, à s'inscrire dans cette démarche de réduction des charges qui pèsent sur notre institution. Les membres de mon cabinet ont par anticipation renoncé aux divers avantages en nature dont jouissaient leurs prédécesseurs. Ces privilèges, vestiges d'un temps révolu, seront supprimés. Une première étape a été franchie, c'est la rémunération de chacun des représentants qui a d'ores et déjà été réduite par la loi de 10%.
Les crédits des collaborateurs ont subi une baisse corrélative de même ampleur. Mesdames et messieurs les représentants, chers auditeurs et téléspectateurs, l'âge d'or des privilèges est révolu. Les lustres en cristal, les fauteuils napoléoniens, les lambris dorés qui ornent le palais présidentiel appartiennent au passé. Ils iront rejoindre le cimetière des rêves de grandeur de quelques esprits nostalgiques déchus. Le projet de démolition puis de reconstruction d'un nouvel édifice parlementaire est définitivement abandonné. Le site Tarahoy de l'Assemblée sera restauré. Les bâtiments existants seront rénovés au moindre coût. Le personnel administratif de l'Assemblée sera logé à la même enseigne que les élus et leurs collaborateurs. Un premier pas sera franchi avec la suspension des congés administratifs et la diminution de 10% de l'indemnité de législature qui vous seront proposées et dont bénéficient les 134 agents administratifs de l'Assemblée. Les avantages des chefs de service seront intégralement supprimés. J'exigerai de chacun de vous, mesdames et messieurs les chefs de service, la recherche permanente de la performance et du résultat pour un meilleur service aux citoyens et aux élus, pour dépenser moins et mieux et pour améliorer les conditions de travail de vos agents. Par souci de transparence, Madame la Secrétaire Générale, premier fonctionnaire de l'Assemblée, vous devrez élaborer et transmettre pour la première fois le rapport d'activité annuel de l'institution. Celui-ci sera téléchargeable depuis notre site Internet et rendu disponible à la consultation de chaque citoyen. Cette recherche de l'efficacité se retrouve également au niveau de nos commissions législatives, dont le rythme de travail s'est accéléré, parfois de manière frénétique, depuis ma prise de fonction en avril 2011. La mise à disposition de la deuxième salle des commissions John French à Tehriki a ainsi insufflé une nouvelle dynamique à nos travaux parlementaires. 99 textes ont été votés à la faveur des 47 commissions législatives. 99 textes. Dans la perspective de réduction de nos dépenses, notre institution sera dotée avant la fin de l'année 2011 d'un plan de développement durable. Nous y intégrerons les mesures en matière d'économie d'énergie, de réduction de notre consommation d'eau, de recyclage et de valorisation de nos déchets. Et la Commission de l'environnement sera à dessein associée à cette démarche. Afin de rapprocher l'Assemblée de nos concitoyens, notamment des plus jeunes, j'ai souhaité renforcer les missions éducatives de notre institution. Je formule le souhait que chaque Polynésien, au cours de sa scolarité, puisse découvrir le patrimoine de l'Assemblée et s'imprégner des missions de notre institution. Mesdames et messieurs, il est plus que jamais nécessaire de faire naître en chacun de nos enfants, qui seront les dirigeants de demain, le sens civique et de favoriser l'apprentissage des valeurs démocratiques. La seconde charte de l'éducation, approuvée par l'ensemble des représentants, constitue à cet égard une avancée majeure quant à l'affirmation du rôle fondamental de l'école et de l'éducation dans notre société. La promotion des langues polynésiennes, dont vous connaissez mon attachement, sera au cœur des préoccupations de l'institution. Traduction simultanée des débats en langue tahitienne, généralisation de l'emploi du tahitien lors des séances, valorisation des langues des 5 archipels. Je souhaite également que la maison du peuple soit ouverte au reste du monde. Notre Assemblée aura vocation à se rapprocher des assemblées parlementaires de nos voisins et amis du Pacifique avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. L'Assemblée aura aussi vocation à devenir un site d'intérêt touristique majeur, participant à la vitalité de notre industrie tourisme, premier secteur productif de notre Fénouan. Les jardins de l'Assemblée seront restaurés
La vocation culturelle et historique de l'institution sera réhabilitée. Nos valeurs de partage, d'accueil et de solidarité seront connues de nos visiteurs. À la faveur de l'ouverture de cette session budgétaire, je vous invite, mes chers collègues, à ne pas perdre de vue l'immense responsabilité qui est la nôtre. En effet, derrière chaque chapitre, sous-chapitre, ligne budgétaire que nous serons amenés à débattre, se joueront en partie l'avenir, le sort de nos concitoyens, de nos chefs d'entreprise, des plus fragiles et des plus démunis d'entre nous. J'invite chacun des élus, chacun des responsables politiques, à édifier ensemble, au-delà des clivages politiques qui nous opposent, un projet de société, un projet partagé de société et de développement pour la Polynésie des 30 prochaines années. Ce cap d'avenir qu'il nous faudra définir, nous le tiendrons ensemble avec les acteurs économiques, sociaux et religieux de notre pays. Nous le devons à chacun de nos concitoyens. Et avant de laisser la parole au président de Mauhinui, je souhaitais soumettre à votre réflexion ces quelques mots de mon ami Henri Hiro. Hier, nous étions ensemble. Demain, nous serons encore ensemble, car nous sommes un même peuple. Ne vendons pas notre pays, mais recherchons notre propre paix dans la paix et pour la paix. Que vive le peuple Maori, que vive Mauhinui. Yoram. Pretitini o te hau Mauhinui, te titau nei au, ia orero mai tā oe orero. Rana i te ora whanau te atua i tō tātou whararira i tēnei pūpū. Preti tini o te aporan hei, mō whatarehau, i tō whā, mō mero mai ki hea te nun āt, mō tawana, te nun ā i tēmei te pūpū, mō papa e ea, te whiaru hupa, te aporan hei, te papa e praur hei. Ia mai te i tātou, tātou whararira haura i tēnei pūpū, mea moro tera, tā era a tātou. Maruru i tautou moturu. Tai whāroro o mai, nārutu i te mou ea, tarati o te ata. Te oeribai te heit adapu ari hoa, heiru o noto tātou hui tō whā. Unne tō tōna i o. Ia nāropa i tāna prau e te vimaaro te taurhi e tō hoai. Katara rū o tāra prau. Homa. Rānei tō tātou whārariwa haura i tēnei pūpū. E tamatai au i te paraparau ahua i tātou. No te mea te ia tāpuru ahepa, mi tātou i te. Whahoiwa ahura i tō tātou whenua i te wahei norira mai ona. Ere te i te tei tāpuru ahepa tā ero atu. Tatarhia tātou i te tapurara ā, rutu i te whanhaur ā te heu āmu i te matahe te tautini e hanarem ha ahuru e mahitu, mei te whenua taratoni. Ta manuia mātou i te rawera i te hupa no te whenua taratoni, te whahoira i te whenua taratoni, en ea i te e tapurara ā a te heu āmu i te matahe te ahuru e maono. Ta tātou i te papu, ua hui mei te parau no te heu i rutu i te e whenua. O tēroa te e whenua i tō e whaito fifiroa, i rawe ai
Fautida forum, tarato fautida, fahoite fenua. Irotoi terimoto amuyan en he fatik e for tua tapapa. It mofifi evade the tuite fenua. Might mot heti, oh, horu mau no mai. Petit horu mapa mot heti tene. Tetupura at parau, not hell, irotuite fen. Not hell tatuite en hen adidato. O turu mai paeau hei. O tā pōrā ar haut whenua. Ui te au e o pāt oit oit I hia te e pai aur hei. I whaau tātou I tōt whenua taratoni I te mataiti o hauru e mauno ai te whaotira nā te apōrā ar hei. Nā te teinua pupu tāta I rawa I te iup. Te whalen kais. Hare tu e rutu I te whanhor at forum. Tere tu e mātou I New York. Nō te rawa I te iup. Te ie, O tupuroa te tei, rurura hanhana I unei tēhin arore hamaruru mai te preti tini o tāpurārhei o tō tātou whenua I whanhora I te e tāpuruhepa. E warawahia te tei whaotirai unei, I roto I te wharau tenuna, I mua I te aro tenuna. O turu mai, tamau e tari ti atoa, e wene roto I te o ti amuana pati whato tātou. O te mea ui te ratou, I te mohe pātou e tu pūrei trawhenua, 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 trawhenua. Te ia mat heti ua titau manhini mai ratou ia. Ai tu I hare noa iru tui tā ratou rūra amitra. Nā ratou te titau manhini ra. Te tu wau no tātou. Te ia mat heti murine e tu pū ahau tā ratou rūra I te whenua tormona. E titau ratou I te motia o te whenua taratoni. No te hareo I moi ratou, no te wawo I moi ratou, Mai te mata heti whahoihi ai ratou ni te tapura rā te uamu e hatura tu muhipa I tupu I te whenua taratoni. No te mea motia ratai tō ratou I te nuna. Hina arora ratou e ite e hata muhipa I tupura. I roto I trawhenua, trawhenua e trawhenua a ti e te moana pa ti whato tatu. O ma ere te I te tei huipa huna, ere te I te tei huipa wawahaina a. O re rā, aingora I te tei e te tei re tenira. E re. Tapuro hupara te no te whirurin ai te prau no anan hei. Iau I te manao o te papai prau hei o tau amu I te tau te Ban Ki-moon. Tēnā ora tāna prau, aita hoe whenua I te onei. Aita ra, aita hoe tuha whenua o te onei. Nen he whanhoi te prau o te whahoturā, te paturā, te pēpērā, te prau te mira whawhau tona whenua, o nāna. Ti tauhia e rawe a mui tu hipu. Turi o nei tā mei e io. Nuri at moti at o te au nei tā mei io. O tā mei at moti at mo wharimoni o te au nei. O tā mei at moti at te iepu wharimoni te prauhia te FME, IMF. O tēmei te muti atu mō whenua pratāne amui, o tēmei te muti atu o te aone. Whea tātou e whae anō tātou I rape au, nā te tei ata e prau I tō tātou prau. Tihia tā tātou papature o tō nūmi. Mi te peue nā te teitia e prau I tō tātou prau. Prau iau tā I whaaroro o noroto mai te iti ai a Alain Juppé. Te prau ro nei, te prau nani te I o te nā e huara au e toru. O nā de trua kolektivite. E hai tato tato e reo. E tato te iti prau prau e nun ahuma tato. Trahi o rā. Tāmanao, trārata I dā protita no trātau. Woti trātau. Tau te e no te maramarama. Paramau aita te e hupa iuti. Yore tu I te whanhora at forum. E ere rā nā te forum e whaauti I tō tātou parau. E ere nā te forum e whaauti te e tāpuru hupa. Nā te heu amu I te e hupa e whaauti. Turirau wainine. No te tere, te e tāpati, I New York, no te tūra I te e tāpuru hupa I harimu.
Monsieur le Président de l'Assemblée, le représentant du Haut-Commissaire, s'il est là, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État et du pays, Mesdames et Messieurs les journalistes, les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Sénateur, Yorana. Après l'époque des robinets qu'on ferme, voici qu'aujourd'hui, certains voudraient nous enfermer derrière des lignes rouges et continuer de parler de nous à notre place, comme ils le font depuis 170 ans. Face à ces résurgences néocoloniales, nos divisions sont un ventre mou, une faiblesse qui n'échappe pas à l'UMP. Je dis l'UMP car manifestement, ce n'est pas l'État républicain au sens noble qui s'exprime chez nous en ce moment. Combien de temps encore laisserons-nous à d'autres que nous-mêmes le soin de dessiner les contours de l'avenir de notre peuple? À moins, bien sûr, que vous n'ayez déjà baissé les bras. Que dans la foulée de la régression constitutionnelle de 2003, vous ne soyez plus aujourd'hui les représentants du peuple polynésien. Mais seulement les représentants des populations françaises de Polynésie. Si tel est le cas, je vous le dis, prenons tous nos tabliers et laissons à nos voisins de la maison d'en face le soin de tout organiser, de tout régenter, au son de la Marseillaise et sous le drapeau tricolore. Si en revanche, vous êtes bien ici, comme nous, pour représenter le peuple polynésien, je vous propose de bâtir tous ensemble notre avenir. Avant le CEP, nous vivions debout et affichions une balance commerciale excédentaire. Nous exportions même nos oranges en Californie, nous citerons vers l'Australie. Depuis le CEP, une économie artificielle est construite sur les transferts financiers massifs versés par l'État pour nous apporter et montrer à nos cousins du Pacifique French way of life et pour acheter une tranquillité aux essais nucléaires. Pour autant, aujourd'hui, nous constatons des déséquilibres majeurs de notre société, tant au plan économique, social que culturel et identitaire. Une famille sur cinq confrontée à des difficultés financières. Un Polynésien sur 20 en situation d'exclusion sociale. 20% des ménages qui captent la moitié des richesses, alors que les 20% les moins aisés ramassent à peine 6%. Autant dire des miettes. Le pays a perdu plus de 5 000 emplois salariés en 3 ans, soit une moyenne de 1 673 postes par an. Couplé aux besoins en création de postes nécessaires à l'accueil des nouvelles générations sur le marché du travail, environ 1 700 par an. Ce déficit de création d'emplois est en réalité de plus de 3 300 par an. Dans le même temps, dans quasiment tous les secteurs de notre économie, on constate un réel déficit de cadres polynésiens. Médecins, juges, avocats, hauts fonctionnaires, cadres dirigeants dans l'hôtellerie, la liste est longue, etc. Est-ce donc là la réussite tant scandée de l'autonomie? Dans quelques semaines, se tiendra le débat d'orientation budgétaire qui viendra détailler les grands axes stratégiques du budget 2012. Aujourd'hui, c'est donc plus l'esprit de l'action de mon gouvernement, l'âme de ce budget que je souhaite partager avec vous. Au-delà des chiffres ou des milliards, ce qui importe, c'est de bâtir un état d'esprit de fierté, d'éveiller en chacun de nous ce sentiment de faire partie d'un projet noble, d'être au centre d'un tout collectif qui transcende chaque individu. Pour cela, nous devons instaurer les prémices d'une nouvelle société avec un modèle économique plus sain et une fiscalité plus juste.
une société qui permette à chacun de vivre mieux, avec plus d'équité, plus d'autosuffisance alimentaire et énergétique. Une société plus solidaire et en harmonie avec son environnement naturel, à l'instar de nos Tupuna. Une société dont la jeunesse puisse s'impliquer dans le destin de son pays, fière de produire et de consommer local, fière d'être actrice du développement de son pays. Une société qui retrouve le goût d'elle-même pour mieux le partager et refaire de notre pays une destination qui fasse rêver le reste du monde. Pour avoir cette visibilité sur notre avenir et pour pouvoir l'expliquer aux investisseurs, une rénovation du cadre institutionnel est nécessaire, avec, je le redis ici, le nécessaire arbitrage de l'ONU, de manière à définir sereinement le cadre de l'évolution de nos relations. Avant de parler du futur proche, permettez-moi d'abord de manière synthétique ce qui a déjà été fait depuis notre retour au service du peuple polynésien. Nous avons tout d'abord dû relever le défi du plan de redressement et effectuer en 3 mois ce que nos prédécesseurs n'avaient pas fait en 1 an. Ce plan est bien sûr perfectible, pour peu qu'on veuille construire et non détruire. Mais il a déjà induit des changements de comportement, des restructurations qui porteront leurs fruits dès 2012 pour atteindre leur pleine réalisation à partir de 2013. Au plan touristique, nous avons assoupli les règles pour renforcer le secteur de la croisière et lancé le grand chantier de restructuration des outils de promotion dans une approche plus globalisée et de concert avec un nouveau développement de nos capacités de transport aérien à l'international. De nombreuses discussions avec les pays de la région Pacifique permettent déjà d'envisager des partenariats prometteurs pour notre compagnie nationale. Au plan de l'économie numérique, les points de blocage de la concurrence sont levés, avec 2 arbitrages essentiels sur les tarifs de référence, l'allongement de la durée d'exploitation de 9 ans à 12 ans, ainsi qu'une évolution positive du mode de perception du droit d'exploitation. Au plan des finances publiques, entre la création de la Direction générale des finances publiques et les actions de redressement des comptes, des éléments forts contenus dans le plan de redressement sont déjà mis en place. Au plan de l'emploi et de l'insertion professionnelle, des dispositifs ont été mis en place ou améliorés pour ralentir les pertes d'emplois, développer l'apprentissage, favoriser l'insertion des jeunes diplômés, soutenir les créations de CDI et favoriser les créations de micro-entreprises. Au plan des grands travaux, un allègement conséquent du circuit administratif est en cours pour accélérer et favoriser l'émergence de chantiers. 50 opérations ont été retenues sur l'ensemble du pays, dans les secteurs routiers, portuaires, aéroportuaires et de défense contre les eaux. Entre l'EAD, le port autonome et la direction de l'équipement, ce sont près de 6 milliards de projets qui sont en cours. Au plan de l'aménagement et du logement, et dans le cadre du plan de redressement, nous allons passer de 4 à 1 opérateur qui assurera l'intégralité des opérations, permettant une mutualisation des moyens, induisant une économie réelle. En matière d'énergie, le prix et les conditions de rachat de l'énergie photovoltaïque ont été enfin fixés. Les concessions que la SEM Transport Énergie Polynésie avait déléguées à EDT pendant tant d'années ont été dénoncées, permettant à cette SEM d'assurer à nouveau pleinement les missions de son objet social. Au plan culturel, nous avons restauré la sérénité dans les relations avec les acteurs du secteur, ce qui a permis un Heiwa 2011 de qualité avec la participation de certaines communes. En matière d'artisanat, la construction des Farimahi est achevée aux Australes, démarrée aux Marquises et programmée sur les îles de la Société. Au plan de la famille, les guides essentiels ont été réédités avec un référentiel relatif aux violences conjugales.
Plusieurs maisons de l'enfant sont en cours de réception. Au plan de notre secteur primaire, le secteur des ressources marines a placé son action sous le signe de redressement des comptes, avec une diminution de 10% des effectifs et de près de 190 millions de ses crédits de fonctionnement. Pour le secteur agricole, dans le cadre du plan de redressement, la structuration du SDR, de la Chambre d'agriculture, de l'établissement Vanille de Tahiti sont engagées. Avec en toile de fond une revalorisation essentielle de l'enseignement agricole. Voilà pour l'essentiel ce qui a déjà été fait. Mais pour nous, l'important demeure ce qui reste à faire. Nous sommes actuellement pris dans un système où l'on ne cesse de parler de croissance. Mais regardons autour de nous. La croissance économique signifie-t-elle toujours le progrès ? Intrinsèquement instable en raison du cycle croissance-récession, on sait que ce modèle ne pourra pas se maintenir indéfiniment. Par conséquent, nombreux sont ceux qui commencent à prôner la durabilité comme la vraie qualité à rechercher pour notre modèle de société. Dès aujourd'hui, il est possible de prévoir que la croissance sera, d'ici quelques années, handicapée par le prix croissant des ressources naturelles. Sans oublier qu'une croissance constante a pour corollaire une pollution exponentielle. Ici encore, les progrès scientifiques ne réussiraient qu'à retarder les échéances. Il est donc important que nous revenions aux fondamentaux pour bâtir ensemble un modèle novateur autour du tourisme et de la souveraineté alimentaire et énergétique. Ce modèle de société devra être conçu de manière globale et concertée, dans le cadre d'un schéma général d'aménagement et de développement durable qui devra inclure nos actions en termes d'aménagement, mais aussi en termes d'éducation, de formation, d'emploi, de fiscalité et de justice sociale. Cette société Mahé devra aussi s'affranchir non seulement des lignes rouges de la politique UMP, mais aussi ôter les œillères économiques, sociales et culturelles qui la confinent aujourd'hui dans un axe unique, Papeete-Paris. Notre océan, c'est le Pacifique. Et nos partenaires naturels sont nos cousins des ensembles polynésiens, mélanésiens, américains et asiatiques. Il nous faudra réapprendre à échanger directement, sans intermédiaire bleu-blanc-rouge, avec ses voisins, du plus petit au plus grand, qui n'attendent que nous. C'est dans cette optique que j'ai l'honneur d'ouvrir cette session budgétaire et de vous inviter dans quelques semaines à travailler ensemble autour du débat d'orientation budgétaire 2012. I will see you soon. Aruru mai te, pretitino mauhi nui. See you in New York. Tēnā tātou i te numaramaha o tātā tō rurura i te ienei mhana, e taua numaramahara, no te whanhor ai ai te tarena o tātā tō hupa, no te roara o te ienei toru awa. E rute i te whanhor ai, putu whahu a tātou i te ienei mhana maha i muri nei, te piti ahuru e mapiti no te tepa, haramei ai te piti ahuru e maiva, i oti i te ahuru i atu e tātou i rute i te awa e atopa te ahuru matoru, te piti ahuru mahitu, e te awa noema, te horu no novema, e te piti ahuru e mamahano noema, e i te vau no titema, i a piriro atu tātou i te ahuru mātoru no titema, te opanira ia o tā tātou rurura. No rira te anine iau i a tātou, i a vaishomei o tūru tū tō mātorima, mātot mō preti te nipupu, i a whanho i te ienei tarena no tā tātou hupa. Te whārine tātou, tātou arā, maruru mai tei, iau i te irawa ahuru o tā tātou ture roto, o wharime o tui te rira. I te pēo te tapura hupa, e ani ia i tō tātou papai praurhei,
Ya tai o mai te tato ara automobile ai te mai rito tato ri mai fare aporafi. Monsieur le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée depuis le 25 août et arrêté le 9 septembre 2011. Yorana.